Merde, mais c'est quoi cette musique? Mais ça va pas du tout, ça correspond pas du tout au film du jour. Bah attendez, je vais mettre une musique qui est un peu plus appropriée. C'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État critique. Steven Spielberg doit se retourner dans sa tombe lorsqu'il voit ce qu'on a fait du concept des Dents de la Mer. Et quoi? Comment ça, il est pas mort Steven Spielberg? Mais alors, qui c'est qui a réalisé cette merde d'Indiana Jones et le royaume des crânes de cristal de mes couilles? Non, vous êtes sérieux? Eh bien j'espère qu'il s'est pendu après ce travail de merde qu'il a rendu. Comment ça, il prépare Tintin qui sort à la fin de cette année? Bon, vous voyez, aujourd'hui, je vais parler d'une énorme bousasse. Je ne peux donc pas m'empêcher de sortir des conneries. Donc, je disais, le concept des Dents de la Mer, qui, rappelons-le, est un chef-d'œuvre cinématographique, ça tout le monde le sait, a été depuis 35 ans utilisé, réutilisé et usé jusqu'à la corde dans le cadre de films moyens, là je pense à Peur Bleue ou la première suite des Dents de la Mer, ou dans le cadre de films de merde incroyablement pourris. Et là, impossible de ne pas citer les Dents de la Mer 3, ou surtout le fabuleux Dents de la Mer La Revanche, qui est dans le top 3 des pires films que j'ai jamais vus. Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir sur un film qui se situe à peu près au niveau des Dents de la Mer, La Revanche, question nullité. Niveau foutage de gueule, il est même carrément au-dessus. Je veux donc bien évidemment parler du téléfilm Shark Attack Alerte aux requins, sorti directement en vidéo le 9 novembre 1999 aux États-Unis. Alors je me suis basé sur cette date pour le caler à ce moment-là dans mes vidéos critiques, car je n'ai aucune idée de la date à laquelle ce téléfilm a été diffusé pour la première fois sur une chaîne française. Cette daubasse est réalisée par Bob Mizurowski, qui a réalisé quelques merdes sorties directement en vidéo, notamment le bousin Point d'Impact avec Jean-Claude Van Damme en 2002. Au casting, nous pouvons retrouver deux acteurs assez connus qui font une belle poussée vers les abîmes de leur carrière. Je veux bien évidemment parler de Casper Van Dien, héros du sous-estimé Starship Troopers sorti à peine un an et demi plus tôt, et Ernie Hudson qui enchaîne les rôles alimentaires depuis SOS Phantom 2. Au casting également, Jenny McShane, Bethlehem Mitchum, Tony Caprari et Shelley Meskin. Vous les connaissez? Moi non plus. Et vous savez quoi? Je m'en bats les couilles. Alors l'histoire de ce film tout pourri est très simple. Nous suivons un biologiste joué par Casper Van Dien qui rejoint un confrère en Afrique du Sud après avoir été alarmé par une importante augmentation des attaques de requins dans la région. À son arrivée, il apprend que son confrère, il est mort, et fait la connaissance ainsi de la sœur de celui-ci. Évidemment, il va se la faire à la fin du film, sinon c'est pas drôle. Bref, les deux vont découvrir que ces attaques violentes un peu anormales sont liées à de mystérieuses recherches scientifiques menées par une méchante entreprise. Putain, rien que de vous parler de ce synopsis, j'ai tout le film qui me revient en tête et là je commence à avoir des nausées. Attendez, attendez deux secondes, là je me sens pas bien, là, je me sens pas bien. Bon, ça va mieux. Alors, Shark Attack, putain. Autant pour moi. Tiens, je me rappelle pas avoir bouffé ce truc-là ce midi. C'est quoi? C'est du poisson, ça? Bah. Bon, bref, inutile de vous faire un tableau, vous l'avez compris. Shark Attack est une merde digne d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques des Bousasses. Nous allons voir pourquoi. Avant toute chose, rappelons tout de même que Shark Attack est le premier volet d'une trilogie de trois téléfilms qui cible uniquement son propos sur une augmentation anormale des attaques de requins en Afrique du Sud. Shark Attack 2, sorti en 2001, qui est une sorte de demi-remake des Dents de la Mer 3, la bonne blague, on voit tout de suite le niveau, et Shark Attack 3, Megalodon, sorti en 2002, qui est l'un des nanars les plus pourris certes, mais également l'un des plus jouissifs qu'il m'ait été donné à voir. Ces deux derniers s'observent comme des direct-to-video de Steven Seagal, faut pas être trop regardant niveau mise en scène, histoire ou jeu des acteurs. Par contre, leur vision procure une espèce de plaisir coupable qui fait que même si c'est de la merde, eh ben au moins on se marre bien. Ce qui n'est absolument pas le cas de ce premier volet, qui pour le coup est une référence dans le film emmerdant qui donne l'impression de perdre son temps.
Quand je vous dis film de requin, tout de suite vous pensez oui aux Dents de la Mer, mais vous pensez à horreur, bain de sang, tension, suspense. Eh bien ça, Bob Mizorowski, on va l'appeler Bob parce que son nom il m'énerve, ça il ne l'a pas compris. Shark Attack est long et ennuyeux, je vous promets, il ne se passe rien pendant les 4/5 du film. Tu vois les personnages réfléchir, un tel est mort, ce n'est pas très normal. Un quart d'heure après, c'est vrai, un tel est mort, voyons voir un peu de quoi il est mort. Un quart d'heure encore après, vu qu'un tel est mort d'une façon anormale, ça signifie que quelque chose de pas très normal se déroule dans la région. Pff, mais allez, putain les gars, bougez-vous le cul, niveau stupidité des personnages, on a atteint avec ce film un palier inconnu jusqu'alors. En même temps, on essaye de nous faire croire quand même que le playboy bogos you touch my tralala Casper Van Dien est un biologiste multidiplômé, un génie dans le domaine des études de requins. Le principe est déjà pas crédible, mais quand tu le vois analyser les situations d'une façon complètement idiote, là je dis foutage de gueule. Shark Attack est un film qui avance donc aussi rapidement qu'une mémé en déambulateur qui marche à reculons. Le concept n'est déjà pas tellement original, mais en plus il n'y a aucun rebondissement. Bob le réalisateur aurait dû pouvoir agrémenter ce manque d'originalité en livrant une mise en scène rythmée avec de vraies séquences bien burnées avec des attaques de requins impressionnantes. Moi quand j'ai découvert ce film je m'attendais pas à grand chose, mais j'aurais bien voulu qu'on atteigne un niveau nanar. Ça aurait été très con comme film, mais au moins on aurait bien trippé à le voir. Ici on peut même pas se foutre de sa gueule à ce film, il n'y a rien, c'est le néant. La mise en scène est aussi inspirée que moi quand je vais démouler un bronze dans les chiottes. Bob tente de se la jouer sérieux et au final il nous la joue ennuyeux à mourir. Je vous explique, toutes les scènes qui composent le cœur du film, on ne voit que des dissections de squales et des observations dans les bassins et les cages. Putain, et ça va 5 minutes ces conneries. Parlons maintenant des attaques de requins qui sont quand même les séquences qu'on attend le plus quand on regarde un film de requins. Et bien là, j'ai l'honneur de vous annoncer que Shark Attack n'a requis la présence d'aucun requin pendant le tournage. Oui, vous entendez bien, aucun requin. Mais que veut-il dire ? Shark Attack serait-il un film de requins sans requins ? Eh ben oui, c'est un peu ça. En fait, les apparitions de requins dans ce film sont en réalité des stock shots de documentaires où l'on voit de vrais requins. Les attaques de requins sont mises en scène de la manière suivante. Caméra sous-marine qui s'agite dans tous les sens quand elle cadre la victime, stock shot de requin dangereux, eau qui devient toute rouge couleur framboise. Et voilà, c'est tout. Jamais vous ne verrez un vrai requin dans l'environnement qui a servi pour le tournage du film. Jamais. Les producteurs ne se sont pas fait chier, ça coûtait sûrement moins cher d'utiliser des séquences de National Geographic que de louer les services d'un vrai requin domestique ou de construire un requin en animatronique pour les plans rapprochés. Quand je dis foutage de gueule, je pèse mes mots, je vous jure. Côté acteur, c'est pas beaucoup mieux. Le film se repose quasiment entièrement sur Casper Van Dien, mais vu qu'il n'est pas crédible pour un sou, eh bien le bonhomme nous casse vite les burnes. D'ailleurs, je me demande pourquoi il a joué là-dedans si ce n'est pour pouvoir payer ses impôts. Parce que autant moi si je suis acteur, je suis la star de Starship Troopers, je le mets bien en haut de mon CV. Par contre, si un an après je joue dans Shark Attack, je préfère justifier le blanc qui correspond au tournage du film à un moment où j'étais dans le coma. Franchement, je vous jure. Pareil pour Ernie Hudson qui cabotine comme s'il avait besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Et je ne parle pas des autres acteurs qui sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Mention spéciale à Jenny McShane, la sœur du pote à Casper Van Dien qui se fera tringler hors champ par celui-ci, qui est aussi charismatique qu'un stock shot de saucisse de Strasbourg. En conclusion, je ne vous recommande absolument pas Shark Attack, c'est une infâme merde absolument pas jouissive. On se fait chier du début jusqu'à la fin. C'est un foutage de gueule intégral qui heureusement se fera oublier par ces deux nanars de suite. Shark Attack est un des films les plus mauvais que j'ai jamais vu, parce qu'en plus d'avoir été mis en scène par un réalisateur incompétent, il ne possède rien, mais alors rien du tout qui vaille la peine qu'on le voie. Du coup, oui, ce film répond parfaitement à la définition du film qui ne sert à rien si ce n'est faire perdre son temps au spectateur. Moi, je l'ai regardé deux fois pour que mon avis vous suffise à ne pas jeter un œil sur cette daube. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour répandre la bonne parole ? Moi, je vous le dis. Je dis ça, mais je suis convaincu que la plupart d'entre vous ne connaissez absolument pas ce téléfilm de merde avant que j'en parle. Et bien maintenant, faites comme moi, tâchez d'oublier cette bouse. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.